route pour aller à Paris, Kevin. C'est par ici qu'on va à Paris. Village de Bilongo, c'est ça? Oui, on passe ici et puis on va à Paris. Cette église à Metzolu, non? Voilà. Ici, là, c'est, ça s'appelle Msanda, la partie là. Oh, normalement, mon père avait un site par ici. Et j'avais appris que mes soeurs, ils avaient vendu ça. La maison était belle à l'époque. Hein. Tu vois, non? Ça, c'est l'église de la Metzolu. Ouais, non, et cette partie là, ça là, ça appartient à mon père, ça là, le site là. Ça là, ce site là est à mon père normalement. Ça là, Kevin, tout ça. Même le mont greffé que tu vois là, tous les trucs là, c'est nous qui avons planté ça. Il y avait une station d'essence. Toujours. Voilà. Et ici, ils ont mis la préfecture. C'est parce qu'on a après vieillis, quoi. Après ça, ça descend. Quand tu descends ici, normalement, là, tu vois beaucoup, quoi. C'est là. Faut que je lise bien quand on va revenir. Tu vois? Tu vois, non? Ça, c'est maison de. T'as vu, non? Voilà. La maison qui s'est montée, toute la maison du tas. Ouais. Qui s'appelle Nicoloso. Mais là, oui, c'est là qu'on a écrit Bianca Jean-Baptiste. Elle est où? Là? Ouais, ouais, c'est celle-là. Ouais. Ouais, mais on va revenir, on va là. On reviendra là. Ça, c'est l'école. Tu vois, non? Non, bah, la préfecture, moi, la poste. Ah bon? Hein? Ça, c'est l'école. Ça, c'est l'école de Bogo. Moi, j'ai fréquenté ici, Kevin. T'as vu l'école de Bogo? Ça c'est la pharmacie.
collège, ça c'est au collège de Bogo. Ça c'est au collège de Bogo, tu vois, non? Ça c'est un grand Nzanzu, il était là. Il y avait l'hôpital de Bogo là à l'intérieur. Ça c'était les maisons où habitaient les gens qui travaillaient à l'hôpital. Ils étaient hébergés dans ces maisons-là. Ici c'est la part, disons ça c'est le secteur administratif. Hein, là où habitaient, là c'est les gens de district. Tu vois non? La mairie, tout ça. Là-bas c'était la police. Les maires, on a vu un travail ici. Et bon, après, c'est pas trop propre, hein, je trouve. Que c'est... Voilà. Donc, ça, c'est la mairie de Bogo. Voilà. Ici, c'était la maison du chef de district à l'époque. C'était une belle maison, hein, un truc. C'est les maisons des colons, là. C'était comme ça à l'époque, mais bon, ils ont changé. Ça a beaucoup changé. Voilà, on va pas prendre les risques là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas maintenant. C'est une autre du district de Boko, c'est-à-dire que la mairie, le collège, là je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de construire, ça doit être une préfecture. C'est ça, non? Donc, les villages, c'est difficile, hein, les villages. Il faut une vraie volonté, hein. Ce qui nous intéresse, on va aller voir la rue Biongue Jean-Baptiste. Ça, ça nous intéresse. Pour, donc tout ça, c'est le collège. Refectoire. Non, non, venez manger refectoire ici. Il y avait l'internet ici à l'époque. Moi, je t'ai mis à l'internat. Tu sais pourquoi je t'ai mis à l'internat, Kevin? Parce que chez mon père, il y avait trop d'agitation, il y avait trop d'animation, comme je travaillais bien à l'école. On m'avait mis à l'internat pour pas que je sois perturbé par mes frères qui faisaient n'importe quoi. Voilà. Il y avait une église par ici. Tu l'as vu, c'est là. Voilà, c'est là. C'est là, donc on va essayer de mettre le warning. Voilà. Donc, viens, je vais te montrer. Je vais te montrer ta ruelle. Donc là, c'est beaucoup. Eh, Bobo, t'es quoi? Oui, moi, en tout cas, je suis tout là qui foule. Et là, tu as commandé. C'est bon? On a un petit peu loin de net. Pour un peu valoriser ce truc-là. Non, c'est ça. Donc, voilà. Ça vous a fait des voitures. Hein? Ça vous a fait des voitures. C'est vrai que. Ah,
sorte. Voilà. Là, c'est bon. Du symbole. C'est le symbole. C'est toute une histoire, comme on dit. Voilà. Voilà. Ça, c'est nos papas qui ont travaillé dans ce pays. Je reconnais au moins, l'État congolais a fait un geste. J'ai reconnu quand même le nom de mon père. Et nous allons faire une fondation. Le Jean-Baptiste. Et donc, t'as vu que bien? Normalement, c'est une ruelle qui doit aller jusqu'à Patrick-Kotoko village. Bon, jusqu'à base de Mingé. Donc, si tu vas comme ça, tu vas se comprendre. Je sais que vous avez déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que il faut savoir que c'est pas facile. On est mis dans des familles. Quand on avance, quand on évolue, avec ces histoires de famille. Donc, moi, mon problème aujourd'hui, c'est que je veux créer une fondation de mon père. C'est pour ça que je suis venu d'abord ici. Je ne suis pas allé dans le village de mon père, mais je suis venu dans son village où il a travaillé. Parce que cette fondation-là, c'est pour aider les gens à s'en sortir dans ce pays. Donc, c'est un symbole pour moi. Je voulais bien arriver ici. Ok. D'abord, ça. Moi, c'est une CRP. Jean-Baptiste va naître, c'est ça le plus important. Et ça a été décidé depuis la France. Tu peux aussi prendre des images de ton autre programme. Donc, il y a mon avoir un casual. Et ça progresse deux semaines, trois semaines, sans cours. Le malheur, comme tu le fais, tu dis, toi, normal, c'est ça, ton inné est normal. Mais pour l'instant, par contre, pour un mois, deux semaines, gâteau. Bon, moi, toi, tu viens de là. Tu viens de là. Tu viens de là. Parce qu'après tout à calme, on va continuer la route. Hein. Je te dis pas quoi. Donc. Donc là, vous avez entendu les gens du village se plaindre. Voilà, du travail comme ça, les parents qui ont travaillé, les maisons sont abîmées. Et voilà. Voilà ce qui se passe. Je vais essayer de. Tu vois, tu te rends compte? Tu te rends compte, t'as vu?
Donc il vient d'avoir. Ça c'est bâtiment jaune ou la... Tout ça c'est à mon père, tout avec la maison à étage là. Il n'y a même plus de toiture. Je peux pas croire quoi. C'est... Quand tu vois ça, non, je te dis même, c'est pas possible quoi. Et moi celui-là, je fous rien quoi. C'est comme si j'étais mort. Et tu peux rien faire. Parce que tu vois le problème, c'est quand vous êtes nombreux dans une famille, il y a des choses, tu peux rien faire. Tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Tu resteras que tes yeux pour pleurer, quoi, comme on dit. Donc, je sentais hauteur, tu connais. On va le voir deux quarts là. On va maintenir les deux quarts là. Moi, quand je l'ai dit, il y a un Par, je crois par le bas ici parce que là-bas tu peux pas descendre, il faut prendre ça par ici parce que moi je sais que le peu que je connais, hein, faut passer par ici et faire, tu vois ce que je veux dire? Là, normalement tout ça c'est le collège, on va arriver jusqu'au bout là-bas, là on était. Voilà. On va aller comme ça parce que tout ça c'est le collège. Voilà. Tout ça c'est le collège. Tous ces bâtiments. Tu vois là c'est le derrière. Donc si on prend comme ça, on va monter jusqu'à là où on était quoi. Tu vois non? Ici à l'époque c'était la poste. Les bureaux de poste quoi. À l'époque. Mais c'est toujours la poste, je sais pas si ils ont gardé la poste. Mais bon après maintenant quand je vois les vêtements là c'est sûr que. Mais sinon à l'époque c'était le bureau de poste. Hein, c'est comme la banque postale quoi. Tu vois même il y a des couleurs encore de la poste quoi. Mais bon après les vêtements, je sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant. De la poste, hein. Congolaise du travail, district de Boko. C'est bon, non, parce que la route là, tu vois, elle est coupée là où on était là. Mais on pouvait descendre, mais bon. Il fallait peut-être passer par là-bas, je pense que c'était plus haut, tu vois, non? Mais ça pouvait se faire. Donc, tout ça, c'était le chalet district à l'époque. Les maisons, les colons et tout ça. Qu'il y a une église devant. Le téléphone. Là, hein? Attends, je vais mettre. Bon, d'accord. De toute façon, attends, je mets là comme si c'est une voiture qui passe. Tu vois pas l'église évangélique. Tu vois, non? Il y a même un château d'eau là-bas, je vois. Hein? Si, si, là-bas de l'autre côté. Bon, on va chercher un moyen pour faire demi-tour. Il y a un bon boulot. Là-bas, c'est mieux, hein? À moi, bande.
peindre aussi le paysage là. Mais ici il y avait une route, non? Il y a une frontière. La route qui menait vers. Comment on appelle ça, le village? Voilà. Tu faisais ça, tu partais en Tomanyanga. Tu vas jusqu'à. Jusqu'à presque la frontière entre le Zaïre et le Congo. Zaïre, oui. Tu vois, c'est même écrit là-bas. Manyanga. Laisse faire la photo. Oh, c'est bien. Hein? Bon, je vais mettre un peu la climatisation provisoirement pour juste à partir de poussière. Hein? Yeah.
c'était bien. VIP. Si le temps est beau, hein, tu vois, il fait pas chaud, hein.